Alors bonjour très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui le 23, un vendredi. Je vais vérifier bien ma montre pour rassurer aux téléspectateurs. Nous sommes un vendredi 23 février, il est 13h40. Alors, vous allez vous poser des questions, mais pourquoi on est là? Eh bien, on est journaliste de Kivu Morning Post et vous avez besoin d'avoir des informations en temps réel. Nous sommes à Sake. Sake, c'est ici où continuent à se dérouler des combats entre le Wazalendu et les terroristes dits 1-23. La zone que nous visitons, c'est une zone rouge. Une zone rouge parce que vous n'avez pas le mouvement sur toutes les entrées et toutes les zones. Blaise Bassabo, c'est bonjour. Bonjour Nelly, bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Merci surtout à ce Congolais qui continue toujours à nous suivre pour comprendre ce qui se passe dans les Kivu. Alors, nous nous sommes déplacés jusqu'à Sake en tant que reporter. Quel est le premier constat que vous venez de faire? Sake est déserte. Ça, c'est la première chose à dire. Il y a quelques civils. On peut en tout cas les compter au bout du doigt. Il y a quelques civils qu'on peut voir. Mais Sake, aujourd'hui, en termes simples, c'est une zone opérationnelle. Derrière moi, c'est le marché central des Sake. Et je pense qu'on aura le temps d'aller. On peut aller déjà le visiter, oui. C'est un marché déjà vide de ses locataires. Déjà, pas d'étalage, pas de marchands, pas de clients. Et vous le savez, un vendredi comme ça, vers 13h, c'était pratiquement l'engouement. Ouais. Des boutiques à côté, ouais, ce sont des boutiques déjà fermées, des restaurants, des officines pharmaceutiques fermées. Ouais. Bref, Sake, on peut seulement voir quelques motards qui sont venus récupérer quelques habitants de Sake qui sont restés. Alors, nous avons peut-être la chance de rencontrer Ronelli, quelques motards qui seront aptes de parler, qui vont nous aider à parler. Bon, je pense pas que ce sera pour facile. Hein, ça va facile parce que la zone de part et d'autre, on peut voir quand même on peut aller peut-être des comme éléments ça. En armes. Ce sont les jeunes résistants aux Azalem. On peut aller pour continuer à occuper cette zone. Mais ici où nous sommes. Bonjour, bonjour. Mais ici où nous sommes, Ronelli, c'est le marché. Mais restez au coussin, vraiment. Maman, jambo. Jambo, Sam. Tombi, l'autre, on coûte à ça qui va tout te bâcher dans mes hauts roches à sombre. Mais c'est tout qu'on a gagné à l'angoura, la kini, 23, tu n'as peine à m'toucher, beaucoup de lima. Bah, tu n'es pas dans ma chambre. Ou qu'en a coulé, maman, à coup. Moutou saïdi, moi, bien, viongoz, ou à quoi tu saïdi, ou toucher, c'est 23, je tourne à tes secs. Ah, tu n'as pas peine à barabar. Kulema hakuna mweko unalima. Unasikia? Tunala nje, hatupate chakula, hatupate mavazi, nyumba watu wamemaliza kuzibomola. Hakuna na chungu na sahani, hakuna kitu. Lakini moyo mwingine yenye mko nauzisha ndani hamuna mabati. Mko nauzisha yeye. Tunataka uza twende huko Goma Mungambi. Hatuwezi baki hapa. Na hizo mbele mlizitosha. Kuma shamba. Kwenda kule make ni kujitegea yako. Kwenda kujua mateso watu wanateseka. Kujitegea kwenye kusema kujitoa. Kujitoa. Na ni hatari gani nye mungu na parkuri sa mnenda kule mashamba? Kule sa kuna baka pa mama. Pana baka pa mama, wana piga pa mama. Na bombe kama one mzuri na kukamata. Usiku kuma bombe zana nalia ziluwa watu. Njo vile. Sawa mama, asante. Tungela mwingine mama mwenye iko pembeni yetu. Mama, jambo. Jambo sana. Unatoka wapi na hii sombe uko nayo? Natoka kule yulu funano. Funani kuko na banani. Kuko ba M23 au akatala watu wasiende mshamba. Na njala na tatu ya kulu mungambi. Juku tafuta chakula ni roho nguvu. Maana kia wapendi tufike na mshamba. Sasa kabisa mtusaidie sana tuko tuna lazima kukwetu amani na salama. Njoo wetu tuko na tafuta. M23 vile ulona kule walikwambia ni walituambia mbombe kukwenye tuko na kimbilia, mbombe ni kwa Mungu kwa tuko naenda mbombe akonjo kwa wenye basi tukuta. Vile njo walituambia, mbase tujikaze turudi. Njona siye tukewambia, tuwezi rudia na tulagopa masasi sana. Vile njo wake tuambia mbo tusiogope. Mbombe kule kwa tuko akimbilia, njo kwenye basi tukuta. Bale ba M23 vile uliona, onza tudekriri, walikuwa hee. Ni wa mrefu mrefu, wa mwekunda.
kabisa bakoyo banayala kulelo mwabile biri mabyote abako napenda banamuke bafike mushamba nako kwenda ko nikushika za tukuro tungufu uro ngufu na isombe unabeba unabeba wapi kwenda uzisha jituone kama tutakula ta mara pili kuna watu wangapi watatu asante mama mwingine mwenye iko pembeni yako tusikie kama ana atasema nini mama jambo jambo sana tuambie uchuruzi ya sombe isombe mnatosha wapi sombe tunaitosha kuvilima tunaitosha kuvilima lakini kwenda kule ni kujitoa ni kujitoa juu kuko ba M23 ba mingi sana na kwenda kule manake biko wanatusumbua sana tusingie mashamba tusitumike na kupiga piga watu sana sasa nje tulikuwa tunaomba viongozi vijikaze vitutoshe bale ba M23 kuvilima tupate ginzi ya kukua tunaingia kwa mashamba kwenda tumika juu njali natafuta tuua kwenye tulikimbili yako na isombe utende uzisha isombe tumekuwa iujishia hapa Saki. Hapa Saki njoo kwenye tumekia hii ujishi. Na hiko ndagumu? Na hiko naenda gumu. Genjo ni nakuya mausia wa dada hawa. Dada haki alibali mungu. Mama, ulitoka gumu haukukupa kuya Saki? Mie niko mtu ya Saki. Masiku wana kuyaka. Mie niko mtu ya Saki nilukia rangura. Juni nuna gumu vitu viko napana wei makuta zitaisha. Nijitoa tu niko wapita mama vana nijua niko nakuya rangura. Bali nambia ni bakutu wanenda chuma mushamba niko kuya rangura. Na hiso mbe mungu na irangura mungapi? Ya mu 3000 4000 Asante mama.